tell all the boys no. Makes you feel good, yeah. Coucou les amis, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jour pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je customise une couronne. C'est assez simple, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, vos pièces de tissu. Moi, je vais utiliser deux couleurs. Colle à tissu UU, votre couronne, du ruban, éventuellement vous pouvez ne pas l'utiliser, paire de ciseaux, maître de couture ou bien si vous avez une règle et l'élément décoratif que vous souhaitez mettre en exergue. Moi je vais utiliser cette jolie fleur que j'ai réalisée dans ma précédente vidéo, la troisième partie de la série de Rose Leur en Wax que j'ai décidé de faire. Donc si vous avez manqué la première, la deuxième, la troisième partie, vous aurez les liens des vidéos juste en bas dans la partie description. Tout de suite, on commence. You tell all the boys no. Makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your puppet? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Thank you.
night. You tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let me see beneath your beautiful, would you let me see beneath your puppet. Coucou les amis, nous voici rendus à la fin de ce DIY, j'espère qu'il vous aura plu. Il y avait une autre technique pour recouvrir votre couronne, celle d'enrouler votre pièce de tissu tout autour de la couronne. Cela étant, ça sera difficile avec ce type de couronne parce que vous avez remarqué que la largeur n'est pas unie. Donc elle commence tout petit et vient plus grand et repart encore plus petit. Donc cette technique d'enrouler votre pièce de tissu autour de la couronne est plus efficace si votre couronne est de largeur unie, donc même largeur tout le long. Comme je le disais au départ, si vous voulez savoir comment j'ai fait cette magnifique fleur, vous aurez le lien du tutoriel juste en bas. C'est la troisième partie de la série de roses fleurs en wax que j'ai décidé de faire. Si le tutoriel vous a plu, likez et abonnez-vous, partagez le tutoriel. N'oubliez pas d'activer la petite cloche juste à côté pour être notifié des vidéos que je mettrai très prochainement. Je vous invite à visiter ma boutique en ligne samcrea.africrea.com et à soutenir mon travail et ma passion via ma page Facebook @samcreaofficiel. Abonnez-vous les amis, likez la page. Je vous dis à très bientôt pour un futur tutoriel. Bisous. If you try.